Hello tout le monde, c'est Testeur de jeu pas cool aujourd'hui. Je vais faire une vidéo sur March of the Eagle, l'épisode 2. Alors c'est la suite de l'épisode 1, hein, avec la Russie. Et puis j'espère que cet épisode va vous plaire. Donc à tout de suite. Hello tout le monde, c'est Testeur de jeu pas cool. Bon bah aujourd'hui on se re-retrouve pour March of the Eagle pour la suite, épisode 2 maintenant. Donc au dernier épisode on avait dit que... Attendez, préfère... Enfin j'ai remis mon antenne, enfin bref quoi, les trucs, le micro. Bref, on s'était dit qu'on devait attaquer... ouais, 104 c'est assez... Qu'on allait attaquer la Suède. Donc c'est ce qu'on va faire. Attendez, l'armée quand même. La garnison, une brigade de garnison, c'est toujours très important. Des cosaques aussi, puis des dragons. Oh, surtout des dragons. Ouais, ils sont... Il y a encore une artillerie. Bref, je sais pas si celle-là. Oui, je vais la prendre. Parce qu'en fait, j'hésitais entre soit je la prends. Non, je vais la déplacer ici. Soit je la prenais, ou bien soit je la laissais tout près de la frontière avec ces petits pays un peu merdiques. Enfin, non, qu'est-ce que je dis? La Prusse et puis l'Autriche. Non, ces deux pays, ces deux très grands pays même. Même donc, voilà, je savais pas si je les laissais entre. Enfin, si je les laissais vers la frontière. Oh, je dis n'importe quoi. Si je les laissais vers la frontière, non, comme ça. Si je les laissais vers la frontière ou si je les gardais. Si je les prenais. Voilà, une année s'est écoulée déjà. Oh, c'était assez long quand même. Bref, allez, plus vite, 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 plus vite. Ah ouais, ils sont longs ces troupes. Il y a peut-être un problème. Bon, là, on peut. Attendez. Le naval, je vais rien faire. Plus 20% ou plus 25 d'évasion. Plus 20%. Donc voilà. Ah ouais, c'est prêt. Enfin, ouais, à peu près. Bref, allez, let's go. Ah, ils ont plus de plein d'ennemis. Ok, c'est parfait. J'adore ça en fait. On est en guerre, c'est bon. Donc, on va. Il y en a un qui va. Attendez. Il y en a un qui va aller ici. L'autre va aller ici. Et puis celui-là, bon, il va aller quelque part. Bon, bah, en vrai, c'était pas très stratégique de le mettre tout en haut. Mais ça m'aura servi de leçon. Donc, je vais rester comme ça pour pas les attaquer parce que je suis sûr qu'ils vont me défoncer. Ils sont peut-être moins, mais. Bon, quand ils sont dans un fort, c'est quand même meilleur. Alors que j'attends. Enfin, je préfère quand même. Même si je pourrais les défoncer. Enfin. Ah, ça a commencé. Ah non. Non, toujours pas. Donc je vais occuper ces forts. Ah! J'ai gagné une guerre. Il y a une guerre. Ouais, de Pancaro. Puis après, je vais prendre ça. Quand même. Ah ouais, là je peux gagner. Ouais, c'est bon, j'ai gagné. Ah, j'ai gagné 10 prestiges. Le prestige, c'est ce qui peut nous faire être première puissance. Ouais, mais sauf que je vois pas d'indicateur de puissance mondiale. Hein. Je suis désolé, mais voilà quoi. Faudra un peu m'expliquer là. Où est-ce qu'il y a une ville? Ouh, la prochaine ville, elle est à des milliers de kilomètres. Donc, tu vas essayer. Essayer, je dis. Oh putain! Oh trop cool, je peux passer par là. Ok, je savais pas. Bon alors. Bon donc eux ils se font défoncer par les Danois, bah moi j'en profite pour les attaquer. Ce n'est pas de la lâcheté, bien sûr. Bon, allez, on va. Ah c'est vraiment. C'est tentant de les attaquer. Attends, pourquoi je peux même pas? Ok, je peux pas. Non, ta gueule. Ouais. Ah!
Ah non, c'est toujours pas cette garnison que j'ai prise. C'est celle-là. Donc maintenant, qu'est-ce que je prends? Je peux pas prendre la capitale, donc stratégiquement, je vais envahir la Suède depuis là. D'abord, par là. Ok, non. En fait, ils ont accepté. Quoi? En plus, les Danois ont perdu. Ils ont... Attends, je vais juste demander la paix pour voir, parce que voilà. Tac, tac. They will not accept. Ok, qu'est-ce qu'ils accepteraient en fait? Ah ouais, c'est des grands malades. Ils acceptent que dalle. They will accept. Attendez, déjà dans les victoires conditions, il nous faut Sveborg. Sveaborg. Ah non, Sveaborg. Donc je vais voir si je l'ai. Parce que de toute façon, ça me sert à rien de prendre d'autres choses. Ah non, je l'ai pas. Donc, il faut que je sache où c'est au moins. Ah, c'est le truc de ouf là. Oh, ça va me saouler. Bon, allez. En repli. Oh, attendez. Non, ça peut accueillir combien de personnes? Oh, je sais même pas, je peux. J'arrive même pas à voir. Bref, je vais les faire venir, tous venir ici. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Hop. C'est bon, ils ont. Ah, ouais. Ça, c'est chiant quand ils ont mis leur bateau ici. Ça nous bloque et on peut pas passer. Enfin, là, j'essaie. Paf, il l'a mis. Bref, c'est vraiment énervant. Allez, au moins ces troupes-là. Bon, bah, on va passer par en haut, enfin le nord. Je peux toujours pas attaquer, hein. Quoi? Oh putain. C'est pas ça en hiver. Enfin, ils disent que c'est un hiver trop froid et tout ça. De toute façon. Soit j'attends, non. Je vais pas attendre. Non, close. Bon, vous savez quoi? Je vais juste lui demander ça. Attends, ça fait quoi si? Bon, je prends tout ça, déjà, je send. Hop, c'est bon, c'est à moi. Ça. Et je prendrai le reste plus tard. Wow, les Français! Oh, faut se calmer, les mecs! Vous me détestez, là! Qu'est-ce que je dois attaquer, maintenant? Il est pas sérieux. Oh, putain! Ah non, ça, c'était déjà normal. La France, c'est cool parce que on attaque tout ça, tout ça, tout ça, et c'est tellement simple. Même quand ils sont dans la sphère d'influence de la. Désolé. De la Prusse, ben c'est assez simple. Ou la Grande-Bretagne, eux, ils font chier tout le monde. Allez, vous voulez pas de mes potes? Join. Pourquoi ils veulent pas? Ok. Alors, je me fais pote avec les. On crée cette relation. Je perds du prestige, mais je m'en fiche. Bref, ah ouais, il reste encore 7 à 8 années. Attends, est-ce que c'est des. Ouais, non, ouais. Ouais, c'est des satellites, donc je peux pas les attaquer. Donc, qu'est-ce qu'il me faut encore? Il me faut des trucs de l'Empire Ottoman, un truc. Oh mais ils sont sérieux de me prendre Copenhague. Copenhague étant ceci. Et c'est la capitale, donc je peux pas la prendre. Donc qu'est-ce que j'attaque? Attends. J'attaque un pays en position de faiblesse. Alors, qui gagne là? Ouais. C'est un peu un truc de lâche, mais j'ai rien trouvé d'autre. Donc.
Allez, je vais attaquer l'Empire. Non, pas Wolf, je sais pas. Ouais, je vais les attaquer, ça. Enfin, je suis obligé à peu près. Non, mais. Voilà. Vous rejoignez tous à Odessa. Espérons qu'il y a encore la guerre entre l'Autriche et puis. L'Empire Ottoman. Puis, je les attaquerai. Je prendrai d'abord ça, 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 tout ça, tout ça. Attends. Sont où mes troupes? Oh, sont là. Je vais les faire venir ici. Ah non, ici. Voilà. Ça leur fera marcher un peu moins. Ouais. Ah là, ouf. Je vais regrouper ces troupes. Voilà. Et puis, ah, une idéologie. Galvary. Ah ouais, ça coûte moins cher, non, ça me dit rien. Diplomatie. Ah ouais, la diplomatie, pas mal, pas mal. Bref. Et ouais. Allez, vite. Voilà, enfin. Allez, c'est parti. Guerre. C'est bon. Je suis désolé, mon frère. Mais voilà. Enfin, mon pote. Enfin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tac, j'attaque. Ouais, c'est bon, j'ai gagné. Donc là, j'ai gagné. Ouais, là, ça va être. J'espère que ça va être plus facile. Ouais, c'est bon, j'ai gagné. Attends, je suis en guerre contre qui à la fin? Les Ottomans, ça je sais, mais je crois qu'il y a une autre armée. Non, non. À un moment, j'ai cru que les Égyptiens, ils m'attaquent. Ah oui. What? Ça fait depuis combien de temps qu'ils m'attaquent, les Égyptiens? Ah, peut-être qu'en fait, il y a une alliance entre les Ottomans et les Égyptiens. Non, non, il n'y a rien. Entre les Ottomans et les Égyptiens. Allez, attaquons. Meurs, meurs. Okay. Allez. Allez, on va prendre un peu par ici, puis aussi un peu par là-bas. Puis c'est bénef. Enfin, ouais. De quoi est-ce que j'ai... De quoi est-ce que j'ai besoin? Attends, 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 attends. On peut pas... Ouais, on peut trier. Ah non, non. Je vais plutôt ici. Il me faut Bender et Constantinople. What? Pourquoi ils ont pris Athènes? Oh merde. Ah non, ils l'ont pas encore annexé. Enfin, pris. Ok, Constantinople, c'est Istanbul. Donc, c'est la capitale. Je peux pas la prendre, donc. Ouais, ouais. Bender seulement. C'est déjà où? Oh, c'est même pas là. Alors, vous allez vous diriger par là. Et vous, vous allez à Kars. Puis je vais m'arrêter comme ça et prendre tout ça. Oh putain. Tout ce qu'ils ont, ok, je vais quand même tenter le coup d'attaquer. Victoire. Wow, merci. Ah bah non, je l'ai pas pris. J'aurais essayé. Enfin, en fait, parce qu'il leur restait encore des troupes. Alice. Allez, ils vont l'attaquer là, Bender. Et même ça, on va prendre la Moldavie. Ah, c'est bon. Voilà, notre expansion va s'arrêter là. Ah non, je vais juste prendre ça, ouais. La gourmandise. Ok, je vais m'arrêter comme ça. Mais le plus important, c'est que j'ai pu prendre Bender. Ouais, seulement 9%. Eh hey, mais, t'es un ouf. Eh hey, mais c'est un truc de malade. Que 9%. Voilà.
Là, là, là. Je vais alors prendre la capitale de la Moldavie. On va voir si ça leur fait de l'effet. Merde. J'ai perdu. Ouais. J'ai été plus nombreux, mais ça arrive de perdre, surtout quand on attaque la capitale. Ouais. Bah, c'est les ressources qui nous manquent, peut-être. Non, pas peut-être, sûrement, en fait. Donc, allez. Voilà. C'est bon. En fait, avec ce jeu, faut être un peu raisonnable. Attaquer que ceux qui ont à peu près 1000. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on l'a eu, Yassi. Ah bah, fallait un peu attendre et puis ça passait. Oh mince. Ils ont pris nos... Ah ouais, mais j'ai bien réduit. En fait, j'ai... Limite, j'ai un peu détruit leur capitale tellement que elle a été réduite. Enfin, elle a rapetissé à peu près. Ah ouais, je voulais toujours pas que... Juste pour ça, hein, je demande rien d'autre, ok. Bon, alors, objectif, je vais pas le faire. Ok, peut-être que je vais un peu trop. Et ils veulent jamais rien, eux. Ok, on va se la jouer comme ça. Vous voulez rien? Ok. Ils l'ont voulu. Enfin, ah bah non, s'ils veulent rien. Allez. Bon, ça va être un peu bizarre. Mais on va s'arrêter ici, en pleine guerre. Bon bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à la prochaine. C'était le deuxième épisode de March of the Eagle avec la Russie. Et puis, bon bah, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, j'espère que cet épisode vous aura plu. À la prochaine.